Bonsoir à tous, bonsoir les amis et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions en live avec le pasteur Yvon. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour partager la parole de Dieu ensemble. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il nous fait. Je voudrais vraiment vous saluer tous, vous bénir, vous qui regardez ce programme, qui le partagez et qui le soutenez. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment très content. Cette nouvelle série va être vraiment intéressante parce que nous allons parler du parcours de croissance du chrétien. Wow! Ça va être une longue série parce qu'on va étudier donc les 5 étapes de la croissance du chrétien, selon mon enseignement, bien sûr. Hein. Alors, j'ai pas la prétention de dire que c'est exhaustif et que c'est le seul point de vue. Non, loin de là. Mais j'aimerais vraiment nous montrer ces 5 pas dans la croissance. Donc, en commençant par le stade d'enfant, ensuite, on verra le stade d'adolescent spirituel, donc enfant spirituel, adolescent spirituel. On verra le stade de l'adulte, la maturité. Ensuite, on parlera du stade de la maturité éprouvée. Donc là, on devient un ancien. Et la dernière étape, c'est la mesure et la stature parfaite de Christ. Donc, je vais vous embarquer dans un long voyage. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes vraiment bien disposés pour recevoir cette parole. Est-ce que vous pouvez prier avec moi quelques instants pour présenter nos cœurs au Seigneur? Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole, pour ta présence, pour ton esprit qui, en ce jour, vient encore nous révéler le cœur du Père, la pensée du Père, vient encore toucher nos vies. Viens nous transformer pour ta gloire. Merci parce que tu nous montres, Seigneur, les mystères de ta parole. Tu nous révèles ces choses parce qu'elles sont pour nous tes enfants. Merci pour l'esprit de révélation et de grâce qui prend le contrôle de ces moments et qui nous bénit par la parole. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, comme d'habitude, je vous invite à partager ce live. Partagez à vos amis, vos parents, partagez à au moins 10 personnes autour de vous. Vous pouvez vraiment être une source de bénédiction pour quelqu'un avant d'aller plus loin. N'hésitez pas aussi à nous faire un retour. Nous en avons quelques-uns, vraiment, de ceux qui sont bénis par ces lives, par ces enseignements. Donc, si vous êtes bénis, n'hésitez pas à nous faire un retour. N'hésitez pas surtout à prier pour nous également, à nous soutenir dans la prière. Et si vous voulez également nous soutenir d'une autre manière, que ce soit financièrement, que ce soit en passant nous voir, que ce soit en nous aidant à promouvoir l'évangile, n'hésitez pas à le faire. Tout cela, nous le faisons pour que le royaume de Dieu avance. Nous le faisons pour que le peuple de Dieu soit édifié, soit encouragé, soit équipé, et que des âmes se tournent vers Dieu. C'est la finalité, c'est que les cœurs soient réconciliés avec le Seigneur. Amen, amen. Donc, partage maintenant. Si tu n'as pas encore partagé, je t'invite à le faire. Et sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Je salue l'église de Lyon, je salue l'église de Montpellier, je salue ACR Libreville, je salue toutes les personnes qui sont connectées, même d'autres ministères. Vous êtes les bienvenus pour ces enseignements. Ça s'annonce très, très, très fort. Vous savez, je priais et je cherchais vraiment l'orientation du Seigneur. Et c'est vraiment sur ce thème qu'il m'a orienté pour cette nouvelle série. Alors, donc on va parler du... Le thème, c'est donc le parcours de croissance du chrétien. Alors, il faut comprendre que quand on parle de chrétien, d'accord, le chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. En fait, le mot chrétien, je vais vous dire, il vient, on le trouve dans Acte 11. Ok? Acte 11, le verset 26. On va nous dire que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus-Christ ont été appelés chrétiens. Regardez. Acte 11, 25-26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Verset 26. Et l'ayant trouvé, Acte 11, 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois,
les disciples furent appelés chrétiens. Est-ce que vous entendez ça? Ce fut à Antioche, pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, le nom chrétien, ce n'est pas un nom qui a été donné par révélation divine, d'accord? Ce sont des personnes qui, en observant la vie des disciples et leur connexion avec la vie de Christ, ont donné ce nom. Il faut dire que ça avait aussi une connotation péjorative, quelque part, hein? Parce qu'ils disaient, vous êtes des petits Christ. Donc, quand on parle du chrétien, il faut comprendre qu'il s'agit d'un disciple de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, comme son Seigneur et son Sauveur, et qui marche d'après sa parole, qui suit son exemple, qui suit son modèle. Donc, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un croyant, si tu crois en Jésus, tu es un chrétien, sache qu'il y a un parcours de croissance pour toi. Et pourquoi je parle de parcours de croissance? Parce qu'il faut comprendre que Dieu est un Dieu de processus. Et un des processus les plus importants pour nous amener à accomplir avec efficacité notre destinée, c'est le processus de croissance. Vous savez, tout ce que Dieu fait, il le commence petit, mais il l'amène grand. Alors vous allez me dire, parfois Dieu fait des choses grandes dès le début, mais j'aimerais vous dire que la norme et la règle, c'est vraiment, ça commence petit, ensuite ça grandit, d'accord? Ça commence petit, ensuite ça monte. Regardez ces paraboles, quand on parle du royaume de Dieu, le Seigneur va parler de cette petite graine de sénevée qui est la plus petite. Et lorsqu'elle est plantée, lorsqu'elle est semée, elle croît, elle monte jusqu'à devenir un grand arbre qui peut procurer de l'ombre et qui peut même devenir un lieu où des oiseaux peuvent s'abriter. C'est tout un symbole. Les choses du royaume de Dieu, elles commencent petites, mais il y a un processus de croissance. Il y a un parcours de croissance qui va donc amener cette petite graine du royaume de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, à devenir ce grand arbre. Regardez avec moi très rapidement, donc Marc, on le retrouve dans Luc 13 et Marc 4. Alors, je peux commencer par Luc 13, hein, très rapidement. C'est la même histoire. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, versets 18 et 19. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il et à quoi le comparerais-je? Il est semblable à un grain de sénevée qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, que quelqu'un dise il pousse. Que quelqu'un dise il pousse. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Ok? Regardons ensuite Marc 4. Marc 4, versets 31-32. C'est la même histoire, mais présenté un petit peu différemment. Marc 4, verset 30, il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole la représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de sénevée qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'elle a été semée, lorsqu'il a été semé, il monte. Que quelqu'un dise il monte. Encore il monte. Encore il monte. Et je te vois monter au nom de Jésus. Il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter son ombre. Ok? C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Donc, j'aimerais que vous compreniez que ce que Dieu a commencé dans votre vie, ça a commencé avec une semence, ça a commencé avec une petite graine qui a été plantée. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que cette graine reste petite. Il y a un mécanisme de croissance. Il y a un processus de croissance qui va se mettre en route. On parle du royaume de Dieu, mais on parle de toi. On parle de ta vie spirituelle.
On parle de ta communion avec Dieu. On parle de ta relation avec Dieu. On parle de ce que tu es et de ce que tu dois devenir. Ok, Dieu t'appelle à la grandeur. J'aimerais te dire que Dieu ne t'appelle pas à rester au stade où tu es. Nous allons étudier les différents stades. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par le stade de l'enfance, hein, l'enfance spirituelle. Et les autres vidéos, nous allons voir les autres, chacune des autres étapes. Donc nous avons 5 étapes que nous allons voir ensemble. Mais je voulais vraiment en introduction vous faire comprendre que Dieu a établi le mécanisme de la croissance, le processus de la croissance. Et donc, en chaque graine, en chaque petite graine, il y a inscrit de façon éternelle, de façon, comment on appelle ça, irrémédiable, le principe de la croissance. Donc, quand cette graine va être jetée, plantée en terre, elle doit grandir, elle doit monter, elle doit pousser et ça doit donner quelque chose de grand qui va générer de l'ombre et qui va générer des branches sur lesquelles des oiseaux vont pouvoir s'abriter. Jamais te dis que tu as une belle et grande destinée en Dieu. C'est pourquoi tu dois prendre ta croissance spirituelle très au sérieux. Ok? Donc, nous allons parler de l'enfance qui est donc la première phase, hein? Mais pour qu'on parle de l'enfance, il faut bien qu'il y ait naissance. D'accord? Donc, on ne peut pas grandir si on ne naît pas. Vous allez me dire, l'enfant grandit déjà dans le ventre. Oui, il atteint un certain degré de croissance, mais ensuite, il doit être enfanté dans le monde pour pouvoir accomplir sa destinée, ne pas rester caché dans les entrailles de sa mère, dans le ventre de sa mère, mais qu'il puisse entrer dans cette vie pour accomplir ce que Dieu a destiné. Vous savez, quand on parle de croissance, on parle de progression. Quand on parle de croissance, on parle d'augmentation. Et j'aimerais vous dire ceci. La Bible dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Parce que le commencement, c'est le commencement, c'est pas la fin. Ça veut dire qu'on part de là, mais on va quelque part. Peu importe le stade de croissance dans lequel tu es, j'aimerais que tu saches que Dieu t'appelle à aller à une étape supérieure. Dieu t'appelle à progresser. Dieu t'appelle à augmenter. On va le lire quand on regarde la vie de Jésus, d'accord? On voit très bien que lui-même aussi, il grandissait, il progressait. La Bible dit Jésus grandissait, Luc 2, 52. Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Donc, pour cette étude, je vais essayer d'aborder cette question de la croissance du point de vue donc du langage, du point de vue de la pensée, du point de vue du raisonnement et du point de vue des actions. Ok? C'est-à-dire que à chacune des étapes de notre croissance, des choses doivent se matérialiser dans notre système de pensée, dans notre langage, dans notre raisonnement et dans les actions que nous posons et du coup dans les fruits que nous portons. Parce que n'oubliez pas que le Seigneur Jésus, la Bible dit dans Jean 16, 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, il y a un fruit que nous devons porter. Mais tu ne peux pas porter du fruit si tu ne grandis pas et si ta structure ne te permet pas de porter des fruits. Vous comprenez ça? Donc, lorsque vous plantez, je ne sais pas moi, un manguier, par exemple, lorsque le manguier commence à pousser, quand il est encore petit, vous n'allez trouver aucune mangue sur le manguier. Donc, il n'y aura pas de fruit. Vous comprenez que être un enfant, c'est normal, d'accord? Mais vous ne pouvez pas rester enfant parce que Dieu vous appelle à porter du fruit. Les enfants ne peuvent pas porter du fruit. Les enfants ont du mal à porter du fruit parce que leur structure n'est pas faite pour ça. Ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas encore structurellement composés pour porter du fruit. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, je vais commencer par... Donc, je vous ai donné déjà Luc 2, 52. On voit que Jésus grandissait, d'accord? Donc, comprenez que le processus de croissance, Dieu, il l'enclenche à partir du moment où tu nais de nouveau. OK? À partir du moment où
tu nais de nouveau. Regardez, 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre chapitre 2, ok. Désirez, on va lire même à partir du verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, un nouveau-né a besoin de lait spirituel et pur pour qu'il puisse grandir. Donc, Dieu veut que tu grandisses et il a prévu de te nourrir, ok? Donc, cette période de l'enfance spirituelle, quand on est un bébé spirituel, quand on est né de nouveau et qu'on est encore un bébé spirituel, on est fragile, on a tout à apprendre, on est encore ignorant des principes du royaume de Dieu, on est encore ignorant, bien-aimé, si tu n'as pas encore partagé, vraiment, je t'encourage à le faire parce que nous allons vraiment donner des pépites aujourd'hui qui vont vous aider. Si vous n'êtes plus à ce stade d'enfant, au moins vous pourrez aider un enfant spirituel à grandir. Alléluia. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. C'est que toi, tu grandisses et que tu puisses aider les autres aussi à grandir. Donc, ne vous dites pas, ah, on parle des enfants spirituels, moi, ça ne me concerne pas. Non. Je vais te donner d'autres billes, ok, que tu pourras utiliser pour aider les enfants spirituels que Dieu va te donner et qui sont autour de toi. Amen, amen. Donc, quand on dit... comme des enfants nouveau-nés, ok, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, dire que vous êtes sauvé, c'est une bonne chose, mais Dieu ne veut pas que tu restes à la porte du salut et que tu restes un bébé. Il veut que tu croisses pour le salut. Dis merci Seigneur, parce que tu veux que je croisse pour le salut. Oui, Dieu t'a sauvé, mais tu dois grandir dans le salut. Tu dois grandir vers le salut. Tu dois grandir sur ce chemin et tu ne dois pas rester un nouveau-né. Vous avez déjà vu un nouveau-né qui il arrive au monde et puis lui, il jure qu'il va rester nouveau-né. Il jure qu'il va rester bébé. Ça n'a aucun sens. Il va être nourri. On va s'occuper de lui et il va grandir. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, cette période, quand on parle d'enfant spirituel, le mot ici, c'est bréphos, hein, c'est embryon, c'est vraiment la base de la vie, d'accord? Donc, quand vous êtes formé, vous devez entrer dans la vie. Il y a un minimum qui vous fait entrer dans la vie. Vous êtes formé et vous naissez de nouveau. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez commencer à vous alimenter. Vous devez commencer à vous alimenter. Vous devez commencer à vous nourrir pour que le processus de croissance se mette en place. Parce qu'un enfant spirituel, donc, il est dans l'ignorance des principes et des lois spirituelles. Il a tout à apprendre. C'est pourquoi il a besoin des parents. Il a besoin de parents responsables. Un enfant spirituel est encore dépendant des parents. J'aimerais vous dire ceci. Vous qui venez de vous convertir, vous êtes dans la maison de Dieu, peu importe l'église dans laquelle vous êtes, vous devez rester dans la maison de Dieu, vous devez rester dans votre famille spirituelle, parce que c'est là que vous allez grandir, c'est là que vous allez être nourri, c'est là que vous allez être protégé, c'est là que vous allez être, accompagné sereinement, en sécurité, ok? Parce qu'à l'extérieur, il y a des dangers, il y a des loups. On ne peut pas laisser un bébé livré à lui-même. Il risque de mourir, vous comprenez ça? Donc, l'enfant a besoin de ses parents. Vous savez, une des choses qui caractérise les enfants, c'est que la Bible dit hein, qu'ils sont ballottés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la sagesse pour comprendre les choses et pour discerner le bien du mal. Ils ont besoin d'être éduqués. Et lisons ensemble Éphésiens chapitre 4.
Éphésiens, chapitre 4, le verset 14. Alors, justement, avant de lire le verset 14, vous savez, on va lire à partir du verset 11, qui est un passage que j'aime beaucoup. La Bible dit ceci: « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Jusqu'à ce que, vous voyez, ça veut dire qu'il y a un processus qui a une finalité. Donc on dit « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi » et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Ah, ça veut dire que quand on commence, on n'est pas un homme fait. On est un bébé, on est un embryon, on est un épios, c'est-à-dire qu'on est ignorant, on est immature. D'accord? Un bébé ne sait même pas gérer sa propreté. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est pareil dans le monde spirituel. C'est à vous d'éduquer vos enfants spirituels, c'est à vous d'éduquer les jeunes dans la foi, de leur montrer ce qui est bien, de leur montrer la propreté spirituelle. Vous comprenez ça? La sainteté, la sanctification. Donc, perfection de ministère en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il y a une œuvre du ministère jusqu'à ce que, donc on voit que c'est le processus, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Christ, du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le dernier niveau de croissance, la mesure et de la stature parfaite de Christ. Écoutez ce qu'il dit au verset 14. « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leurs ruses dans les moyens de séduction. » Les amis, comprenez que quand vous êtes un enfant, on peut vous tromper. Malheureusement, il y a des séducteurs, il y a des loups, il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent vous détourner du chemin du Seigneur. Et vous avez besoin de rester dans votre église locale, rester auprès de vos pasteurs, rester auprès de vos parents spirituels, parce qu'ils sont là pour vous, ils sont là pour vous nourrir, ils sont là pour vous protéger, ils sont là pour vous, pour s'occuper de vous, ils sont là pour prendre soin de vous, ils sont là pour vous garder, que vous puissiez vivre, d'accord? Et donc, non seulement il y a la tromperie des hommes, mais écoutez, il dit que les enfants, ils sont flottants et emportés à tout vent de doctrine. Un enfant, il peut croire à tout ce qu'on lui dit. Hein? Si on lui raconte des mensonges, il va croire parce qu'il a cette naïveté intrinsèque à son âge. Dieu ne veut pas que tu restes naïf par rapport aux choses spirituelles. Dieu veut que tu grandisses et que tu puisses comprendre les choses et que tu saches quelle est la vérité et c'est quoi le mensonge. Vous comprenez ça? Donc, il y a des vents qui peuvent souffler et un enfant peut être emporté. C'est pourquoi il doit rester dans la maison. Vous savez, quand il y a du vent dehors et que vous êtes dans la maison, vous êtes en sécurité. Vous comprenez ça? C'est pourquoi c'est important d'avoir une bonne maison spirituelle. Donc, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Ça, c'est l'instabilité. Et emporté à tout vent de doctrine, ça c'est vraiment cette fragilité-là qui fait que la personne n'a pas de racines, n'a pas de fondation solide. Il faut bâtir les fondations. Vous savez, être un enfant, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais rester un enfant pendant trop longtemps, ça devient un problème. Tu ne peux pas rester avec des couches pampers jusqu'à je ne sais pas quel âge. Hein? La propreté, on apprend ça aux enfants à partir de un an et demi. Voilà, l'enfant commence à prendre la propreté, on commence à lui montrer le pot, vous comprenez ça? Mais à un moment donné, l'enfant grandit, à un moment donné, on arrête les couches, on lui donne maintenant, voilà, on l'apprend à aller faire pipi aux toilettes, on le réveille pendant la nuit pour pas qu'il fasse pipi sur lui, vous voyez? Donc, il y a une éducation. Vous savez, les choses naturelles nous donnent des indications sur les choses spirituelles, ok? Donc, de la même façon que naturellement, un enfant a besoin de ses parents, a besoin de la couverture familiale sur le plan spirituel, les enfants de Dieu ont besoin également d'être bien entourés, bien accompagnés. Donc, quand on est un enfant, on manque de sagesse.
parce qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas les choses. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 15. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 15. Il dit ceci, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, dès ton enfance, là, il parle de Timothée. Hein? Donc, Timothée a été enseigné. C'est pourquoi, quand on est enfant, c'est là qu'on doit nous enseigner. La Bible dit « Instruis l'enfance sur le chemin qu'il doit suivre. » Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a des instructions que l'on doit recevoir quand on est enfant. Et on doit écouter, on doit obéir aux instructions que nos bergers, que nos parents spirituels nous donnent. Vous comprenez ça? Il y a des enfants qui veulent manger tout et n'importe quoi. Vous avez déjà vu ça? L'enfant, il l'apprend par la bouche. C'est pourquoi tout ce qu'il trouve, il met dans sa bouche. Vous voyez ça? Il voit un stylo, il met dans la bouche. Il voit un jouet qui traîne, hop, il met dans la bouche. Parce que c'est avec la bouche qu'il commence à apprendre. Mais tu ne peux pas manger n'importe quoi. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. Tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Donc, quand tu es encore un enfant spirituel, tes parents vont te dire, attention, n'écoute pas tel type d'enseignement pour l'instant. Par rapport à ton niveau, tu n'en as pas besoin. Ça peut te faire plus de mal qu'autre chose. Et c'est là où beaucoup de jeunes chrétiens, souvent, tombent dans la désobéissance parce qu'ils écoutent tout et n'importe quoi. Ils vont sur Internet, ils vont sur YouTube, et puis ils écoutent tout et n'importe quoi. Je me rappelle de cette jeune fille qui a commencé à écouter un homme de Dieu, soi-disant, et qui l'a totalement plongée dans la confusion. Et elle s'est retrouvée à commencer à jeûner de façon, jeûner en désordre, d'accord? Et ça lui a créé des problèmes de santé, d'accord? Et pourtant, ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'elle ne nous a pas écoutés. On lui a dit, ce homme de Dieu, il ne faut pas que tu l'écoutes. Il ne faut pas que tu l'écoutes. Bien aimé, vous savez, ça l'a amené à tomber dans la démence. Ça l'a amené vraiment à avoir des problèmes psychiatriques par la suite. Vous comprenez ça? Parce qu'elle n'a pas écouté. On lui a dit, n'écoute pas, arrête. Et elle nous disait, non, moi, je crois, je suis convaincu que je dois l'écouter. Mais tes parents spirituels te disent ne pas le faire. Il y a un danger. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les enfants manquent de sagesse. Et ils ont besoin d'être enseignés par la parole de Dieu. Et c'est là où l'apôtre Paul va dire, donc 2 Timothée 3, 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ok? « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, il y a un travail que la parole de Dieu doit faire en nous. Mais bien aimé, Dieu a prévu des cadres pour qu'on reçoive la parole appropriée au niveau dans lequel nous sommes. Je vais finir avec deux derniers points. Les enfants, vous savez, ils n'ont aucune maîtrise de leurs sentiments, de leurs émotions. Vous voyez un bébé, il pleure tout le temps, il pleure pour un rien. Ils sont ce qu'on appelle irritables à souhait. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, lorsque l'apôtre Paul donne les conseils aux enfants, justement, hein, il dit aux enfants d'obéir aux parents. Il dit « Enfants, obéissez à vos parents. » C'est valable pour les enfants spirituels. « Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, les pères ne doivent pas irriter les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont irritables. Le problème, c'est que les enfants sont irritables à souhait. La moindre petite chose peut les irriter. Vous voyez, un enfant, il mange du chocolat, il se goinfre de chocolat. Et à un moment donné, le papa dit non, arrête de manger le chocolat, arrête, t'en as assez pris. Et l'enfant va pleurer, il va faire tout un scandale, il va se rouler par terre parce que vous lui refusez quelque chose qui est bon, qui a un bon goût dans sa bouche. Vous comprenez ça? Les bonbons, c'est pareil. Il va manger des bonbons et après, ça va lui causer des caries. Lui, il ne pense pas aux caries, il ne pense pas aux problèmes dentaires.
Lui veut juste le plaisir du moment, vous comprenez ça? Mais c'est le rôle des parents d'instruire, de corriger, d'éduquer, de reprendre, d'élever. La Bible dit « élevez-les en les corrigeant et en les instruisant ». Donc la correction fait partie des choses que les parents doivent exercer vis-à-vis de leurs enfants, ok? Donc c'est tout à fait normal quand vous êtes un enfant dans la maison de Dieu que vos parents spirituels puissent vous corriger. Dernier point par rapport aux enfants, vous savez, on peut dire tellement de choses, mais je suis obligé, le temps est arrivé. Un enfant ne sait pas se défendre lui-même et ne peut pas se protéger lui-même. Il a besoin de ses parents. Regardez, dans Matthieu chapitre 2, on nous parle de Joseph qui va recevoir un ange. Matthieu chapitre 2, le verset 13. C'est le dernier passage, Matthieu chapitre 2. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Le prophète avait donné la prophétie, hein, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Donc c'est Dieu qui a parlé. Mais le fils en question ne pouvait pas partir en Égypte lui-même. L'instruction a été donnée à son père, et c'est le père qui a pris le fils pour l'amener en Égypte. Regardez, il y a des combats que vous n'êtes pas censé vivre quand vous êtes encore un bébé spirituel. Et c'est les parents qui vont vous éviter certains combats inutiles qui risquent de vous faire perdre du temps et qui risquent de compromettre votre croissance spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y avait un danger de mort sur la destinée de Jésus, mais c'est le Père qui a pris Jésus et qui l'a mis en sécurité. Donc, comprenez que les parents sont là pour la sécurité des enfants et les enfants doivent faire confiance aux parents. Je le dis aux jeunes convertis, je le dis aux jeunes chrétiens, écoutez vos hommes de Dieu, écoutez leurs conseils, suivez leurs instructions parce qu'ils sont là pour vous. Et la Bible dit qu'ils répondront devant Dieu au sujet de vos âmes. Donc, il faut les écouter, il faut les aimer, il faut obéir à leurs instructions et on est bien d'accord, selon le Seigneur, tout cela doit se faire dans le cadre de la parole de Dieu, d'accord? Donc, c'est vraiment très important que vous compreniez qu'être enfant, c'est le point de départ, mais vous ne devez pas rester enfant parce que le Seigneur vous appelle à grandir. Dans Luc 2, verset 40, on nous dit que l'enfant croissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse, il était rempli de grâce. Je prie que ce soit le cas pour toi, que tu puisses croître, que tu puisses te fortifier, que tu sois rempli de grâce, rempli de sagesse comme Jésus. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Que ce soit le cas pour toi, afin que tu ne restes pas un bébé spirituel, mais que tu grandisses, que tu deviennes un adolescent spirituel. Et on va le voir lors de notre prochaine live, où nous allons passer à la prochaine étape dans le processus de croissance des enfants de Dieu, du chrétien. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.